reçu un nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on invoquera Jésus. Il a reçu un nom. Il a reçu un nom. Mon Jésus a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Mon papa a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on appellera Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'il s'agira du nom de Jésus. Il a reçu le nom. Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission Face Cachée, cette émission qui brosse le parcours de vos invités. Nous sommes de retour après une période de confinement de plus de 45 jours. Nous sommes bien de retour sur vos écrans. Pour ce numéro de Face Cachée, nous recevons un artiste gospel, un éminent artiste gospel de notre pays, le frère Délis Témo, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Bonjour Délis Témo. Ah, ça c'est le salut du Corona, voilà, du Covid-19, le salut de la distanciation sociale. Ouais, comment tu vas, mon frère? Non, ça va, Dieu nous fait grâce, merci. Et vous? Ça va, ouais, ça va. Bien en forme, hein, je vois. Tu n'as pas trop subi les effets du confinement. Ouais, c'est, nous étions obligés, hein, pour les mesures de protection, on était obligés de nous soumettre aux règles barrières, voilà. Comment s'est passé ton confinement? Oui, plus ou moins bien, c'est vrai que c'était des moments un peu difficiles. Pas habitué de rester à la maison, hein, surtout pour nous les Congolais. La vie c'est souvent hors les murs de la parcelle. Et on était obligés de faire avec pour se protéger, parce que la maladie elle est réelle, elle est vraie. Donc il fallait respecter au moins les règles barrières. Donc voilà, la vie reprend petit à petit, petit normalement. À petit. Alors, on connaît le frère Délis en tant qu'artiste gospel qui nous donne toujours du plaisir quand il chante. Ah bon. Quand merci. Il chante, il nous rappelle le frère Franck Moulaja, en fait, dans sa manière de chanter. Est-ce que tu peux, excuse-moi de te tutoyer. Non, soyez libre. Alors, est-ce que tu peux nous brosser un peu l'historique de ton parcours? L'histoire avec la musique, c'est pas une histoire préfabriquée ou comment. La musique, déjà, les gens qui m'ont élevé me diront, déjà à l'âge de 5 ans par là, 5 ans, 6 ans, je manifestais les signes de musique. J'accompagnais très souvent mon papa qui est pasteur, le pasteur Longo Daniel, souvent à l'église. Et je me faisais ce plaisir de jouer le tam-tam, selon leurs témoignages. Et puis après, si j'ai une bonne mémoire, ma mémoire ne me joue pas les tours. Je crois qu'à ça, l'âge de 10 ans par là, 11 ans, je crois, que j'ai embrassé la carrière, je dirais, publique dans mon église, là où je suis disciple. Quelle église? Je suis de l'église restaurée, église de Brazzaville, dirigée par mon père spirituel, l'apôtre Jean Rolin Yoka. Et donc, c'est là. Et mon père spirituel m'a donné, pour une première fois, je me rappelle bien, c'était un mardi 31 décembre 2000, je crois, 99 ou 2000, si j'ai une bonne mémoire encore. C'est là où j'ai commencé en public l'exercice de ma carrière musicale. Donc, si j'ai dit en public, c'est parce que c'est dans l'église, l'église a beaucoup de gens. Et c'est là, c'est pour la première fois que je commençais à jouer devant les gens. Dans le souci d'approfondir la musique, parce que j'aime bien la musique, ça ne m'a pas empêché de faire les collaborations, les rencontres, parmi tant d'autres, des sœurs Avounou. J'ai commencé avec la sœur Nadège Avounou. C'est la première d'ailleurs qui m'a emmené dans ce monde musical du gospel. Et puis après, j'ai travaillé avec la grande sœur, la sœur Clémence Avounou, que je salue aussi. Maman Clémence, que nous saluons également. Hein. Et puis après, maman Clémence, voilà, le goût de la musique, l'aventure n'a pas pris fin. J'ai commencé à côtoyer les artistes de l'extérieur, notamment mon père, je dois beaucoup du respect, le frère Franck Moulaja,
Moi, je l'appelle mon père, pas parce qu'il m'a mis au monde, mais parce qu'il se sent mon père, parce qu'il a cette liberté de m'empêcher quelque chose, de me défendre quelque chose, de m'autoriser de faire quelque chose, de me donner son humble avis, son conseil, et voilà. Donc, je le considère comme un père. Et c'est là que j'ai commencé la rencontre avec le frère Franck, et voilà. C'est comme ça qu'on commence cette aventure. C'est, je crois, en 2014 ou bien 2013, pour ne pas dire n'importe quoi, c'est là où j'ai eu l'engagement de commencer finalement ma carrière professionnelle. Donc ma carrière en solo, si on peut le dire comme ça. Et donc c'est là que je fais mon premier album. Mon premier album était intitulé Célébration. C'était Célébration à l'Éternel. Mais on avait écrit en cours Célébration. Donc c'est là où je fais mon premier album. Et on a commencé à œuvrer dans ce monde-là, monde de la musique, jouer par-ci, par-là, faire des choses. Et puis après, bon, là, on peut dire qu'on est en train de préparer notre deuxième album. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Mais tout ce temps-là, c'était dû seulement au fait de vouloir bien faire les choses. Si on veut bien faire les choses, il faut se laisser enseigner, orienter, apprendre. Et donc, c'est ce qui a causé un peu ce petit retard. Et voilà. Jusqu'en ce jour, nous sommes en train de préparer notre deuxième album. L'atmosphère de gloire. Atmosphère de gloire. Alors, si on essaie un peu de voir dans les deux albums, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Il faut qu'on se le dise. Est-ce que financièrement, le frère Délice s'est retrouvé dans ce qu'il fait? Bon, se retrouver, ça dépend de la personne qui... Ça dépend de la personne. Parce que déjà, on ne fait pas cette musique pour se retrouver financièrement. D'accord. Mais ce sont des astuces qu'il faut d'abord bien préciser. Parce que lorsqu'on parle de retrouver, vous faites allusion aux prestations, ou tout ce qu'on a pu faire. Est-ce qu'on a généré de l'argent? Pas seulement de l'argent. Est-ce que, artistiquement également, ça vous a été bénéfique? Est-ce que ça vous a permis d'aller, ça et là, peut-être de voyager, d'aller prester ailleurs, au Congo? Est-ce que vous avez presté? Vous avez eu des... J'ai plusieurs fois même, plusieurs. C'est vrai que je ne suis pas de la race de ceux qui veulent jouer pour le plaisir de jouer. Ah bon? Oui, oui. Il y a ceux qui veulent jouer pour le plaisir de jouer. Non, mais je t'explique les choses. On connaît comment les choses se passent. Et ça moi, je ne suis pas de cette race-là. Dans notre musique, dans notre gospel, il y a de ceux qui jouent. Pas seulement dans la musique gospel. Il y a des gens qui font la musique sans tenir compte des réalités de la musique. Parce que c'est une profession. Par exemple. Non, mais il y a un artiste qui peut... Donner les noms. Non, on parle d'une carrière. Lorsque je t'ai dit en 2014, j'ai pris la décision d'embrasser ma carrière professionnelle. Je parle d'une carrière professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne jouait pas avant. Mais je parle d'une carrière. Alors, qui dit carrière, dit une organisation, un sérieux, un agenda, un bon nombre de trucs qu'il faut respecter. Vous avez voyagé pour aller prester... Le frère Délice a été deux fois au Gabon. Par invitation? Ça s'est passé comment? Expliquez-nous un peu. Non, mais c'est toujours par invitation. Moi, je ne suis pas gabonais, je suis congolais. Et comment Il ne sait pas trop bien de parler argent sur la place publique, c'est pas bon. Mais sinon, je suis parti, j'ai pris un vol, j'ai été logé, j'ai été nourri pendant un mois je suis revenu. Donc ça a généré de l'argent. Pour votre information, le lot des CD qui restait, je les ai vendus au Gabon. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez dans la musique? Non, mais je ne veux pas parler de retrouver, je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous vous retrouvez ou pas dans ce que vous faites? Souffrez que je vous réponde ou bien vous avez une idée en tête. Laissez-moi vous répondre. D'accord. C'est la musique, on parle de la musique chrétienne, bien la musique gospel. Le but premier, c'est de passer le message de Dieu par la chanson. Okay. D'abord ça. Il ne faut pas se tromper de cible, c'est d'abord ça. Et donc, se retrouver, c'est vrai que c'est un travail. Les gens doivent vivre de ça, gagner leur vie de ça. Mais après, c'est pas le premier élément qu'on va mettre... Hein, au devant de la scène. Okay. Ça, je déconseille ça aux gens, sinon pas vous allez voir beaucoup de scandales venir après ça. Pourquoi je pose la question? Parce qu'on a l'impression que ici au Congo, particulièrement ici à Brazzaville, hein, nos artistes, bon, ils font de la musique, mais apparemment ils sont désespérés. Ça veut dire que tout ça la crape on a comme ça, mais là quand on se résout si manango. Non, mais je vais vous choquer quand même, parce que je sens que vous venez avec les sujets sensibles, je vais parler librement. Ce n'est pas seulement les musiciens chrétiens. Je ne sais pas si tu vas me citer combien d'orchestres profanes où les musiciens ne sont pas désespérés. Je ne sais pas, tu vas me citer combien de joueurs congolais qui ne sont pas désespérés.
Je suis amusé combien de journalistes congolais qui ne sont pas désespérés. C'est dans tous les domaines. Pourquoi? Pour une simple raison, deux fois le Congolais, il aime fonctionner comme le Français. La vie là même, la Bible dit, l'homme mangera la sueur de son front. Il ne faut pas attendre que tout te soit donné sur un plateau. L'homme doit travailler, l'homme doit faire travailler sa tête pour trouver des stratégies. La musique, c'est le travail. C'est ce que je dis. Attends, parlons sérieusement. Les gens qui viennent jouer dans nos groupes, prends un groupe, si tu veux comprendre qu'au Congo, la musique a des problèmes, prends un groupe de personnes qui savent jouer les instruments. Il faut travailler que pendant 6 mois, ils ne jouent pas un concert ou bien une prestation. Tu verras que ce sont des gens qui vont désister les premiers. Or, de l'autre côté, lorsqu'on prend des témoignages des gens, c'est-à-dire quelqu'un fait de ça sa vie. C'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller le matin, il se brosse, il se lave, il s'habille à Kekop. Donc, ils font ça d'abord pas pour gagner. Après, gagner vient les surprendre dans ça. Ok, mais aussi, il ne faut pas enlever l'aspect. Je ne sais pas s'il faudrait bien comprendre les choses. Je précise que la musique chrétienne, on ne le fait pas pour gagner de l'argent. Mais la musique chrétienne peut faire gagner de l'argent. Au Congo-Brazzaville, on ne va pas attendre l'argent qui vient d'une poche pour te donner. Si tu attends ça, tu peux passer toute ta vie. On ne dit pas que les mains comme ça n'existent pas. Mais si tu attends une main comme ça, tu peux passer toute ta vie. Donc d'où, comme une entreprise... Moi, je conseille d'abord tous mes musiciens. Je n'encourage pas les musiciens qui ne vont pas à l'école. Je n'encourage pas les musiciens qui n'aiment pas chercher leur vie. Frère Delis, si on essaie un peu de diagnostiquer notre musique. La musique chrétienne du Congo. Oui. Ok. Non, mais moi, je crois que c'est toujours le même. Pour moi, c'est le même problème. C'est quoi le problème? Après, souffrez que ça soit toujours moi qui dise ça. Le problème, c'est que du gospel congolais. Le gospel congolais, c'est ce que c'est comme je viens de dire au préalable là. Il faudrait que les gens fassent ce travail en connaissance de cause. C'est comme quelqu'un qui veut être aide-maçon, mais qui veut en même temps être le constructeur de la tour Nabimba. C'est la même personne aussi qui existe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc ça veut dire qu'il y a la musique chrétienne du Congo, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a plus d'aventuriers dans le gospel. Non, je ne peux pas traiter les gens d'aventuriers. Qui suis-je pour traiter les gens d'aventuriers? Mais je parle des faits qui font que de l'autre côté, les gens connaissent un peu de la sanction, je ne sais pas si je vais appeler la sanction, mais comment, de leur côté, de notre côté. C'est comme si les choses retardaient. Pour une simple raison, il faut mettre les choses à leur place et faire les choses comme il se doit. Comment mettre les choses à leur place? Mais aujourd'hui, la musique, c'est toute une industrie qui fonctionne. Aujourd'hui, le musicien, moi j'étais en Côte d'Ivoire dernièrement, j'ai amené mon CD, je ne sais pas si je me rappelle encore de la chaîne, c'est pas Nostalgie, je ne me rappelle plus. J'ai amené mon CD pour déposer ma musique. Je ne sais pas si c'était le caissier ou le réceptionniste, je ne sais pas. La personne qui m'a reçu me dit non. Ici, un artiste ne peut pas amener ses œuvres lui-même. Même les boîtes de nuit en Côte d'Ivoire ont des managers. Non, un artiste ne peut pas évoluer. Qu'est-ce qui prouve que ce sont tes chansons? Qu'est-ce qui prouve que tu es dans le vrai? Il faut un manager qui manage tes produits. Ok? Ça, c'est déjà un aspect où au Congo, on peut dire que ça n'existe pas. Donc déjà, il y a un problème de management. On n'a pas de manager. C'est tout un lobby qui fonctionne. Il y a un manager, il y a un secrétaire général, il y a tout un bureau. Il y a tout un bureau parce que la musique aujourd'hui, les festivals par exemple. Aujourd'hui, pour participer dans les festivals, il faut écrire au festival. Vous allez demander à l'artiste, lui qui est lead vocal, de composer les chansons, de diriger le groupe, de payer les musiciens et de chercher les produits. C'est quand même impossible aujourd'hui. Avec la vitesse de la technologie, c'est tout un lobby qui fonctionne. Est-ce que vous-même, vous avez un manager? Je n'ai pas un manager, mais je suis en pro-parler. Je ne vais pas encore citer le nom, mais je crois que d'ici quelques jours, je vais signer avec une grande dame de ce pays. Que je tais le nom, mais ce sera dans... Qui est manager ou bien qui a un peu d'argent, qui a un peu de connaissances. Voilà. Il faut aussi prendre des gens qui connaissent le métier, qui savent ce qu'ils font. Elle est dans ce domaine. Je ne vais pas l'appeler manager, mais elle est dans ce domaine. Et elle fait bien dans ce domaine. Elle en a fait des preuves. Le jour que je vais citer le nom, vous comprenez de qui je parle. Pour l'instant, comme ce n'est pas encore close, je laisse ça comme ça. Sinon, il y a quelqu'un en vue qui pourrait être mon manager. Mais après, je suis beaucoup exigeant. Je suis beaucoup exigeant parce que après nous faisons le mal parfois sans se rendre qu'on fait le mal. Nous ne faisons plus bien parfois sans se rendre qu'on ne fait pas bien. Moi, je voudrais être entouré des gens qui me disent la vérité, mais alors qu'ils respectent Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a des mêmes valeurs, ça nous permet de bien fonctionner. Élise Témo, pendant la période du confinement, on a vu de l'autre côté, si on peut parler de la musique profane, okay. Les artistes ont chanté. Ont mis la main à la pâte pour chanter
contre le coronavirus, en fait, pour sensibiliser la population sur les règles barrières du Covid-19 contre le Covid-19. Mais de notre côté, du côté du gospel, on a eu l'impression qu'il y a eu un silence. C'est-à-dire que si, il y a une petite partie des gens qui ont fait leur truc, mais on n'a pas eu cette impression-là qu'il y a eu l'union sacrée des artistes gospel pour faire quelque chose contre le Covid-19. Non, mais il y a eu, c'est-à-dire qu'il faut savoir encourager les bonnes œuvres, hein, les bonnes initiatives. Dans notre Congo, il faut savoir les encourager. Les artistes profanes, personnellement, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu le son. Moi, j'en ai vu. Moi, je n'ai pas vu. Mais j'ai entendu le son, c'était dans une voiture, je crois, j'ai entendu le son. Et voilà, ils se sont regroupés, je ne sais pas comment ils ont fait pour se regrouper, mais c'est sûr qu'on les a appelés. Voilà, ils se sont mis ensemble, ils ont travaillé sur un projet. Et sur la musique chrétienne, c'est la même chose. Je crois que moi, j'ai reçu, j'étais à la maison, j'ai reçu le coup de fil de mon grand frère, Avigoza, qui m'a appelé, pour un produit aussi, c'est qui rassemblait les gens. Ils aimaient le cité, hein. Bon, cité, je ne sais pas pourquoi ça vous dérange, mais sinon pas, je parle de quelque chose qui lit son nom, je ne vois pas pourquoi ne pas le citer. C'est lui qui m'a appelé pour ce produit Covid. On parle de Covid, donc voilà pourquoi je parle de lui. Okay. C'est lui qui m'a appelé pour me faire état. Non, Délice, il y a un truc là, 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 des musiciens chrétiens, et voilà. On doit se rassembler pour faire ça. Et voilà, on s'est mis ensemble. Les gens qui pilotaient le projet, ils avaient leur façon de voir les choses. Parce qu'il faut reconnaître. On ne le connaît pas, lesquels. Mais il faut reconnaître déjà que le projet, c'est. Moi, si j'ai mon projet, je peux dire que je fais mon album. Lesquels pilotaient ce projet? Oui, je vous réponds. Moi, je fais mon album. Voilà. Je fais mon album. Alors, le bois. Non. Lesquels? Tu me parles des gens, moi, je ne connais pas particulièrement. Est-ce que c'est le frère Onina, Avengozar, qui pilotait ce projet? Est-ce que c'était Papa Roy? Est-ce que Bel Agnelé? Est-ce que c'était Régis? Christelle Changou? Voilà, on ne sait pas. Voilà. Déjà, sur le projet, moi, j'ai été appelé. OK? Par. Mais non, j'ai pas besoin, les ordres qui sont de nos chefs, j'ai pas besoin de rencontrer le chef pour exécuter les ordres. Moi, je donne mes conditions d'artiste. Je dis, moi, pour faire ce projet, j'ai besoin de ceci. Si celui qui vient me voir, il respecte les clauses, j'ai plus besoin de voir qui est derrière lui. D'accord? Donc, moi, j'ai été contacté comme ça. Non, il y a un tel produit, j'ai donné mes conditions d'artiste. Et voilà. Et si ça a été respecté ou pas, c'est pas important de dire ici. Et voilà, on est tombé d'accord quand même sur un point. Et puis après, voilà, on s'est lancé sur le projet et c'est comme ça qu'on appelle aussi d'autres personnes. Et on était intéressés, on a travaillé sur le projet et voilà, c'est passé, voilà. Est-ce que le projet aboutit? Parce que souvent, avec nos artistes d'ici, on fait des trucs qui n'aboutissent jamais. Moi, j'avais pas un contrat d'aboutissement ou bien de comment, j'avais un contrat de participation. On m'a contacté pour participer et c'est ce qui a été fait. La suite, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on doit continuer comme ça? Mais c'est pas moi, c'est ce que je vous dis. Avec des projets qui se meurent dans l'œuf. Papa, s'il faudrait bien faire les choses, il faut laisser les gens qui savent faire la chose, faire la chose. Moi, on m'appelle comme un artiste. On ne m'a pas posé les questions pour savoir on doit le faire comment, on doit le faire où, on doit faire. On ne m'a pas posé la question. On dit, toi, Délice, pour faire ceci, on te donne combien, tu fais comment, quelles sont tes conditions? Je donne mes conditions autant qu'un artiste et voilà, les conditions ont été validées à notre manière et voilà, j'ai fait ce que j'étais appelé à faire. Si j'étais dans la coordination, j'allais répondre. Si j'étais dans l'organe, je ne sais pas moi, qui pilotait le projet, j'allais répondre. Mais moi, je m'arrête sur ce qui me concerne. Moi, j'étais appelé comme un invité pour participer, j'ai participé. Donc, je peux te dire pour ça, ça a été une bonne... Moi, j'ai entendu hein, des bruits, je ne sais pas si c'était une pluie, des bruits, Délice. Voilà. Sur quel projet comme ça? Musique, une chanson pour le coronavirus. Délice a bouffé, je sais pas quoi. Délice a bouffé. Oui, j'ai beaucoup entendu. Non, même étant confiné, on était connecté, on a écouté des choses, on a entendu des choses. Non. Délice et Kiki, on va pas citer les noms. Si on veut aider ce pays, Délice, tes mots ne marchent pas avec sa langue dans la poche. Retrouve-moi la personne qui a dit et tu nous fais une confrontation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ce qui veut dire, je ne sais pas c'est quoi. J'ai Délice fait quoi? A acheté une voiture, on a vu. C'est la musique. Oh là là, la voiture. La voiture. La musique. Non, c'est pas important. Nous faisons la musique. Il ne faut pas désacraliser. La musique que nous faisons. Notre musique, elle est beaucoup sacrée. Ça va sur les valeurs. La voiture, c'est rien. La voiture, c'est rien. C'est un moyen de déplacement qui peut aussi. Dernièrement, ça a voulu prendre feu. Dernièrement, on a acheté ça même pas une semaine, ça a voulu prendre feu. Voilà, c'est un matériel qui peut
Est-ce qu'en dehors de la musique, le frère d'Élise fait autre chose? Ouais, et puis ça aussi, c'est une vie privée en fait. Le jour que vous me recevez dans la casquette de celui qui travaille de l'autre côté là-bas, je parlerai autant qu'un agent de là-bas. Un artiste. Ici, je suis comme un artiste. Pas de vie privée. Non. Vous êtes c'est ce une qui. Une personnalité publique. Non, c'est ça ce qui amène le désordre. Un artiste a une mélomane, ceux qui t'aiment, ceux qui apprécient ta musique. Vous êtes artiste. Ce que vous faites réellement. Vous êtes artiste. Ici, je ne suis pas artiste. Délice Thébault, en dehors de la musique. Hein? Est-ce que vous êtes peut-être DJ, je ne sais pas, dans une boîte de nuit, ou bien vous êtes enseignant, ou bien dans les types de journalistes en dehors de la musique? Dans les types de journalistes, les journalistes que j'apprécie beaucoup, c'est les journalistes d'investigation. Prends ta caméra, viens me surprendre là où je suis DJ, c'est la meilleure des choses, il y a l'image. Là, tu parles de DJ, un chrétien DJ comment? Comment tu expliques ça? Mais c'est un travail, non? Non, je ne suis pas DJ, DJ, on me rend pas me pépin à dire. DJ de quoi? On a beaucoup parlé, le frère Délice. Est-ce que pendant le confinement, vous aviez eu le temps de travailler quand même, même si c'était difficile, de réunir toute votre équipe? Est-ce que vous, dans votre chambre, dans votre salon, est-ce que vous travaillez? Travailler quoi, musicalement? Des cordes vocales, faire des exercices, voilà. Papa, moi, je ne fais pas partie de ceux qui parlent avant les œuvres. Si tu veux savoir si les corps sont en panne ou en bon état, crée un projet et on va voir. On va créer un projet maintenant, un projet a cappella. Vous voulez me faire chanter, après vous pouvez expliquer ça. Ça me vient souvent ce nom-là, a cappella. Ça existe déjà, quelque chose comme ça. Ah d'accord, mais est-ce que tu peux nous faire un a cappella pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui aiment la voix là, du frère Délice? Les règles barrières ne contredisent pas la foi sans les œuvres est une foi. Morte. Et voilà, je pouvais plus parler que chanter. Un acapella du frère Délice, mais est-ce que vous faites partie d'acapella? Acapella, non, je n'ai jamais été contacté, donc je ne fais pas partie. On a l'impression que le frère Délice, à un certain moment, ne s'intéresse plus au groupe. Ça veut dire au groupement, aux associations chrétiennes. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il ne faut pas amener les choses. C'est ce que je te disais au début. Moi, je fais une carrière. Qui dit carrière dit les choses bien faites. Tu fais ton concert, tu m'invites. Ces choses-là ne sont pas bien faites et non, vous ne voulez pas. Non, ne m'amenez pas là-bas. Intégrer. Lorsque je dis ne pas être bien fait, dans le sens où moi, je n'étais pas personnellement été contacté pour le projet, tu disais quoi, a cappella? Donc, du coup, je ne peux ni parler de ça, je ne peux pas me mêler de ça parce que je n'étais pas personnellement été invité dans cette histoire. Je ne sais même pas c'est quoi. C'est d'abord quoi? Je ne sais pas. C'est un groupe WhatsApp ou. Même un groupe WhatsApp, on a besoin. Vraiment, on va parler d'un groupe WhatsApp. On m'a dit à l'oreille que Délice a quitté ce groupe. Ça veut dire qu'il était. Vous savez, aujourd'hui. Dans ce groupe a cappella, il a quitté. Mon téléphone, je ne sais pas si tu me permets ça. Si je te montre mon téléphone, j'ai pas moins de 2000 messages. Je suis dans plusieurs groupes et je reste connecté 24 heures sur 24. Et vous n'êtes pas sans savoir que parmi les éléments qui font que la batterie se décharge, il y a des réseaux sociaux. Internet, oui. Donc du coup, on préfère décharger la batterie pour une chose dont tu maîtrises la cause, dont tu es intéressé, dont tu es impliqué. A cappella, je ne sais pas, c'était un groupe. Après, j'ai vu les gens commencer à balancer à la manière de la musique congolaise chrétienne. Des choses qui ont été déjà évoquées, qui ne trouvent jamais de solution. On revient sur ça et voilà, j'ai quitté à cause de ça. Moi, si je veux rentrer dans une organisation, vous devrez souffrir que je donne mon avis. Mon avis, ma façon de voir les choses. Et puis, ça ne veut pas dire que je suis Hitler. C'est-à-dire, si je dis quelque chose, ça reste comme ça. Mais a cappella, dans son essence, n'est pas un groupe de débat. Je ne connais pas le concepteur, c'est qui? C'est vous allez me mettre de chant, je ne sais pas, de vocalisation. Mais vocalisation, est-ce que moi j'ai besoin de faire les vraies choses sur WhatsApp? De chansons. Papa, attends, je vais t'aider. Arrangeons l'émission, je vais t'aider. La musique chrétienne du Congo, on a un défi à relever. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans au Congo. Je te parle. Ça fait aujourd'hui 20 ans au Congo que nous, les musiciens chrétiens du Congo, on est incapables de nourrir l'église corps du Christ avec les cantiques que le Seigneur nous donne. Ça, pour moi, c'est un vrai débat. Comment faire pour que nos cantiques soient dans nos assemblées, dans nos cultes? Comment faire pour que nous puissions occuper la place du média avec les clips de qualité? Comment faire pour que nous fassions des sons de qualité? Moi, par exemple, ça, c'est un bon débat pour moi. Est-ce que c'est un problème de formation? La formation, papa, Céline Dion, on aurait appris tous, même si je ne l'ai pas vu avec mes yeux, on aurait appris tous que Céline Dion de sa vie n'a jamais écrit une chanson. Voilà. Dans la formation dont vous parlez, ne cherchez pas à ce que vous ayez quelqu'un qui est parfait, qui soit parfait en tout.
Aujourd'hui, c'est ce que je te disais au début là, je te disais qu'aujourd'hui la musique fonctionne en lobby. C'est un groupe de personnes, on sait que bon, par exemple le frère Germain écrit bien, mais il chante pas bien. Il ajoute dans son groupe quelqu'un qui peut l'aider à donner la ligne mélodique par exemple. Est-ce que vous-même vous le faites? Ça veut dire que vous préparez votre prochain album. Est-ce que vous associez les autres dans la préparation? Vous vous rendez compte que mon album, le premier, je l'ai fait en 2014. Nous sommes en 2020. Ça ne vous fait pas quelque chose dans la tête? Vous croyez que... Vous hésitez parce que le premier peut-être a été un échec. Vous dites que, ah, est-ce que... Mon premier album, j'ai été peut-être deux fois avec mon groupe à Pointe-Noire aller jouer. Nous étions, il y a un concert, on avait fait le pasteur Moïse là. Nous étions avec mon groupe à Pointe-Noire. Ça dit qu'on part aujourd'hui, on revient demain. Nous sommes véhiculés, logés, tout ça. Ça, c'est la musique qui n'a pas réussi, c'est pas un problème. J'ai été deux fois au Gabon. Donc j'ai été invité deux fois là-bas, à l'occasion. Je salue même, en passant, le big prophète, le prophète Jérémie. Là, c'est Jérémie, le plus grand prophète du Gabon, ça n'engage que moi en tout cas. Le plus grand. Pour moi, je sais pourquoi je dis ça. Ok. Peut-être pour ma vie, il a dit des choses qui sont tombées authentiques. Pour moi, je dis le plus grand. Par rapport à moi, ça n'engage pas le Gabon ni les prophètes du Gabon. Je parle de moi. C'est mon père, je le respecte beaucoup. Voilà, donc on a fait les tours. Tu ne me diras pas que j'ai quitté Brazzaville pour le Gabon, pour loisir. Non, je ne pense pas. J'ai pas eu le temps d'aller avec tout mon groupe. J'ai pas eu le temps d'aller avec l'équipe peut-être pour filmer. Mais j'ai mis quelques extraits que j'ai filmés avec mon petit téléphone de quelques secondes. Où j'étais en train de jouer dans l'église du prophète Jérémie. Donc voilà, on essaie de faire tant bien que mal le travail que nous pouvons faire. Mais après, il ne faut pas nous exiger trop. Parce qu'on a d'abord des défis à relever. Le frère Délice doit travailler. Si réellement Dieu m'a appelé à faire cette musique, il faudrait que cette musique bénisse le corps du Christ. Il faudrait que cette musique impacte l'église du Congo, l'église du monde. Ce sont des vrais défis en fait, que moi je m'impose. Donc je refuse de rentrer dans des débats où on est dans un groupe a cappella pour faire des a cappella nuit et jour, pour atteindre quel objectif, je ne sais pas. Vraiment, il ne faut pas me mettre en connexion avec le propriétaire du groupe parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je parle par rapport à ce que tu as dit. Il ne faut pas me mettre dans un groupe WhatsApp où les gens discutent sur les mêmes choses. Comment faire pour que la musique avance? On te dit des vraies choses, tu ne veux pas faire des vraies choses. Il ne faut pas me mettre dans vos associations aussi. Après, vous, et ça sera que si tu es dans l'association... Non, je n'y fais pas partie. Je parle des associations. Toi, tu parles de quoi? A cappella, c'est aussi une association. C'est ce que j'ai dit. Ne me mettez pas dans vos associations. L'association des chrétiens, des chants chrétiens. C'est a cappella? Non, c'est pas a cappella. Là aussi, tu ne fais pas partie. Jusque-là, non. Non, je ne sais pas. Mais je ne fais pas partie. Comment je connaîtrais le nom? Je ne fais pas partie. Pourquoi? Non, jusque-là, parce que... On ne t'a pas aussi contacté. En fait, la vraie raison, c'est ça. Non seulement je ne suis pas contacté, mais il faudrait qu'on m'explique la vision des choses. Parce que... Pour parler de l'association. Tu veux me dire que tu n'as jamais reçu un message venant de l'association? Est-ce que le professionnalisme, toi tu vas inviter l'excellence, monsieur, je ne sais pas le ministre de qui, en SMS, je veux t'inviter dans mon anniversaire. Ce n'est pas professionnel. C'est de ça qu'on parle, le professionnalisme. Tu veux m'inviter dans un projet, tu viens, tu m'expliques le projet. Si je suis intéressé, j'adhère. Si je suis intéressé, je me retire. Élise ne veut pas de cette association, peut-être. Non, il ne faut pas me mettre. Toi, tu parles de la première association était. Tu parles d'association, créée par moi, je parle des associations. Toi, tu ne veux plus adhérer à l'association. Il faut déjà corriger chez toi. Moi, je parle des associations du Congo. Je ne parle pas de l'association, parce que je ne sais pas là où tu veux en venir. Pour moi, ma façon de faire les choses, professionnellement parlant, le délice que tu parles maintenant au micro n'est pas le petit frère du frère Germain. Okay. Mais le délice après le micro, c'est le petit frère de Gildas. Tu peux l'envoyer, tu peux le chicoter, le petit frère de Paparole, ainsi de suite. Il faut savoir respecter les casquettes pour que l'on fasse bien le travail. Okay. C'est une association qui rassemble les musiciens. C'est ce que tu as dit, les musiciens chrétiens. On les rassemble pourquoi? Qui les rassemble? Mais pour faire évoluer la musique. Mais pour faire évoluer la musique, il faut avoir les sujets. Évoluer par rapport à quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas pour que vous ayez l'idée de le faire évoluer? Élise, tu veux me dire que là-bas, il n'y a pas de sujet qu'on évoque? Mais je n'ai jamais été intéressé. Moi, je vais parler des Mais choses. Il faut que partir. Pour... Non, papa. Voilà. Nous sommes au 21e siècle. Il faut se faire respecter. Si on ne t'a pas invité, il ne faut pas aller. Et si pour te faire inviter, il faut savoir on t'invite ou pourquoi. Soit tu as un Non. On doit se faire respecter. On prend quand même de l'âge, bien que petit, mais je crois que pour être responsable ou être sérieux, ça ne demande pas de l'âge. Il faut savoir voir les choses. Vaut mieux souffrir pour une chose que tu comprends que de souffrir sur quelque chose que tu ne comprends pas. C'est une association, je suis d'accord avec une association. On a besoin même d'une association, d'accord. Mais les vrais sujets de l'association, c'est quoi? C'est le deux, moi je ne suis pas d'accord pour une association qui ne fait qu'enterrer les gens. Moi, je ne fais pas partie des trucs comme ça.
Non, je te prends un exemple, mais toi, sincèrement, sincèrement, tu as des problèmes. Je te prends des exemples qui font qu'on a toujours des problèmes. Il ne faudrait pas me rassembler pour que comme ma Koufi codise. Non, on s'est rassemblé, c'est l'association des musiciens chrétiens. Le plus grand mot qui pèse là, c'est la musique chrétienne. Si on doit se rassembler, il faut avoir des sujets phares. Comment faire pour exporter notre musique? Comment faire pour bien faire notre musique? Comment faire pour que nous restions chrétiens? Comment faire pour... Là, moi, ça m'intéresse. Okay. Mais là, ce sont les sujets du genre tout sur la caca, familiarité, tout coûte la caca. Bon. Je ne vois pas son importance. Le frère Delis, on va souffler avec... On avait raison de souffler, vraiment. Raison de souffler. Avec la chanson, qu'est-ce que tu nous proposes? Il a reçu le nom, ou bien Covid, on a fait une chanson de Covid dont tu parlais là. On peut suivre un petit texte. Le titre, c'est quoi? Non, c'est la chanson de Covid. Il n'y a pas de titre. Mais bon, je ne sais pas trop. Il y a un combo à Covid. Hein. Mais le sujet, c'est Covid, le Ligue Commotionné. D'accord, chers téléspectateurs, on va souffler avec la chanson... Covid. Les musiciens chrétiens. Des chrétiens missions ou des musiciens chrétiens? C'est un faux débat. D'accord. Les musiciens chrétiens. Chers téléspectateurs, suivez. Invisible, qui ne voit pas les frontières, qui ne connaît pas les présidents ni l'armée la plus puissante. Oh. Mais nous les vaincrons par la sécurité sanitaire. En accomplissant un geste de responsabilité, Wana Tokolonga. Donné, nous te disons au nom de Jésus, arrête. Covid, tu as fait trop de ravages, colis et coquilles et coquillo. Zambi avec Tchonge Katara na Moussoua et Moutouta. En respectant les règles établies, nous le vaincrons. Ne plus se saluer par les mains et les gestes d'hygiène. Tu as fait ton de dégâts, nous t'arrêtons. Au nom de Jésus, nous triomphons. Ah, pona kolonga coronavirus. Ozala musika na baninga kosokola maboko tango nyonso mibatela bonzambe pe ya batela yo mibatela ka eza malamu munga eponi ekolo te oloposo te tosalela kaka ba mesure barrière pour te longa coronavirus. Kulomba na ngevumu kwisa kunungisa beto na kimbevo ya iya COVID-19. Tata Yahweh, le souffle de vie que tu nous as donné est emporté par ce mal importé. Ce qui l'est là au swingité Nabanzi lobi toko komate Tango esengeli bisoba na Congo To vanda elongo potolonga etumba oyo. Pardon vanda nandako po COVID-19 ezo boma. Est-ce que Watawa? Oh, tout ça.
Les règles barrières ne contredisent pas la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Les timas parlent tchande, les coulons parlent les syllabes. Avant midi au palioque, les amours balokala, abisou buraka. Dans sa course font les meurtriers. Le Covid-19 ne connaît ni barrière et allègrement. Il se moque même des frontières. Il se moque même des visas. Tana qui s'est non diluya l'usambulu, ngati Congo diavouke. Copesa moninga mbote tiza la musika na ye. Kosola na se alipeka na yo. Sokola maboko na yo na sabuni. Ton angele alkoholize moninga. Wana tolongi COVID-19. Coronavirus et tolobi yo tena mboka Congo. Tobengani yo. Kendi, kendi, kende musika. De moi que nous allons vaincre ce virus, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Respectons toutes ces mesures, c'est pour ton bien, mon bien-aimé, c'est pour ton bien, ma bien-aimée, c'est pour le bien de la nation. Sokote la kato kangi, olé lisi bemingi, obomi bemingi. Nous t'avons vaincu au nom de Jésus. Nazana kondimana ebito kolonga e, atabutu e umeli, tongo e kotana e. Congolais, je t'en prie, restons tous à la maison. Respectons les gestes barrières, c'est ainsi que nous allons vaincre ce Covid-19. Eda, les chouaranga à l'eracho, kosho kunchante bongo, ubaranga, tuolo 34-34, korayolo au masque, et les djempa chikaleda, Sokyo tosi mibeko, eko sala yonini, ezali kaka pona bula mna yomoko, toto sae. Nous sommes de retour ici, au jardin public, au jardin du viaduc de Talangaï. Frère Delis, tu as vendu ta tête, tu es un peu mingi, tu as soufflé ta bouffe de salamoua bien. Alors, Delis, nous avons beaucoup parlé du gospel congolais. Alors, s'il fallait parler un peu des rapports, de tes rapports avec les autres artistes, on a l'impression que Delis, tes mots, c'est quelqu'un qui est compliqué. C'est ce que se dit dans le milieu chrétien, il faut se le dire. Ah bon? Delis, il est compliqué. On a même peur de t'aborder, peur de t'associer parce que, des fois... Qui dit ça? Mais tes collègues. Non, je pense pas que je sois compliqué. Je pense pas, mais sauf que je sais, je fais un effort, je sais même pas encore. J'apprends à faire un effort de séparer les choses. Le délice de la maison, le délice du travail chez lui au bureau, le délice de l'artiste. Je fais un effort de... parce que ce ne sont pas des mêmes casquettes. Il ne faudrait pas amener une même casquette partout et puis après ça va mettre le désordre. Et même notre Dieu dans le désordre n'existe pas. Si vous voulez voir Dieu, il faudrait de l'ordre. Qui dit ordre dit organisation. Le respect des choses, le respect des textes, le respect... voilà. Dans le respect des choses, vous retrouvez Dieu. À combien plus forte raison son fils que je suis. Je fais souvent l'effort de mettre les choses à leur place. Avec les musiciens, je ne veux pas voir. Avec qui on a un problème, avec qui. Je ne vois pas. Je suis bien avec tout le monde. Donc, je n'ai pas de problème. Selon moi, à moins qu'il y ait quelqu'un
qui le dise sur ton micro et puis après vous venez me voir. S'il faut m'excuser, je m'excuse devant lui, hein, devant les caméras, moi ça ne me dérange pas. Mais sinon, je ne reconnais pas avoir un problème avec quelqu'un. Au début de notre mission, tu nous as beaucoup parlé de Franck Moulaja. Est-ce que c'est votre modèle? C'est plus que mon modèle. C'est vrai qu'il n'aime pas que je parle comme ça. Il m'a dit quelque chose, c'était avant-hier, il m'a dit quoi déjà? La race... Il m'a parlé de quelque chose là-bas, ça m'a échappé. Il dit Élie, c'est Élie le prophète qui a fait descendre le feu sur les prophètes de Baal, ainsi de suite. Il m'a parlé de ça, il a dit que même Élie, le jour qu'il a eu l'idée en tête, qu'il est resté le seul prophète, Dieu l'a confondu tout de suite. Dieu l'a dit qu'il y a encore 7000. Or 7, pour ceux qui connaissent les choses spirituelles, 7 c'est la perfection. 7 c'est un nombre illimité en fait. Il dit qu'il ne faudrait jamais avoir l'idée de mettre quelqu'un. C'est comme si Azalaki final à Makambo, Sukisa Makambo. Donc lui n'aime pas ça. Mais sinon pour moi le frère Franck, c'est presque... Lorsque je vais à Kinshasa, il prie pour moi. Je vis chez lui. Je fais des choses avec lui. Lorsqu'il vient ici à Brazza, il ne peut pas rentrer sans me faire signe. Lorsque j'écris un texte, tu t'imagines, il me donne un conseil de vie, il dit, lorsque tu écris les chansons pour Dieu, il ne faut jamais, même lorsque tu fais un album, il ne faut jamais dire que nous avons des cartonnés par le coulis, nous avons des. Il a dit, Dieu peut te surprendre, à pas moulin, nous avons des moussous. Donc, auprès de lui, j'apprends des valeurs positives. Et donc, pour moi, je ne vois pas comment ne pas respecter un aîné comme ça. D'ailleurs, lorsqu'ils faisaient la musique, nous étions encore des enfants. Nous nous sommes bercés avec la musique Gaël. Notre génération, c'est la musique Gaël qui nous a bercés. Donc, pourquoi ne pas le considérer comme un père? Et pour votre information, c'est le parrain de mon mariage aussi. Ah bon? Oui, c'est le parrain de mon mariage. Délice, bientôt marié. Bientôt marié. Je suis sérieusement occupé. Sérieusement occupé. Mais bientôt, je crois qu'on va affronter ce cap-là. Ah bon? Je suis sérieusement préparé pour ça. Et je crois que... C'est pour quand? Bon, là, je ne peux pas encore dire parce que... En bantou qui se respecte, pour donner une date, c'est pour dire que la belle famille a donné son avis, ma famille a donné son avis, ils ont conclu, décidé sur quelque chose. À ce moment-là, on peut parler de ça. Mais sinon, je suis sérieusement occupé. Alors, sérieusement occupé. Et donc, le mariage, c'est déjà dans mes songes. Dans tes songes. Ok, le frère Délice, s'il fallait revenir un peu sur votre carrière, s'il fallait parler du meilleur souvenir que vous avez dans le gospel. Le gospel. Quel est votre meilleur souvenir que vous gardez après avoir produit votre premier album, après avoir eu le parcours que vous avez, s'il fallait parler du meilleur souvenir que vous avez? Le meilleur souvenir du gospel pour moi, c'est lorsque quelqu'un t'appelle pour dire que ton cantique le bénit. Quelqu'un t'appelle pour dire que c'est avec tes cantiques qu'il prie. Pour moi, quelqu'un t'appelle pour te dire que nous mon nom de Salia Bongo la motema. Quelqu'un t'appelle pour te dire que nous depuis na zalaka na mon comme modèle nanga parce que au bando sommes depuis moi na mouké na tel akona musika. Pour moi, ce sont les meilleurs souvenirs du gospel. On t'a déjà appelé pour ça, pour beaucoup d'appels. Si vous voulez, je fais un appel direct. Beaucoup d'appels comme ça. Maintenant que je parle, je suis en train de vouloir faire une vidéo. Il y a quelqu'un qui attend une vidéo que je vais faire. Alors lui, il ne fait pas passer mes histoires. Donc il y a des gens comme ça, parfois tu te fends en larmes en fait. Pourquoi une telle personne ne peut pas être indifférente face à ce que je fais? Là où parfois toi-même tu trouves qu'il y a trop d'imperfections, il n'y a encore rien de bon. Mais il y a déjà des gens qui sont scotchés à ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas... Voilà. Donc, pour moi, c'est le plus grand souvenir en fait. Voir les gens s'incliner devant la grandeur de Dieu par rapport au cantique qui vient de toi, qui sort de toi, que Dieu t'a donné, moi je crois que c'est le plus grand et meilleur souvenir du gospel pour moi. S'il fallait refaire, si c'était à refaire comme l'a chanté le frère Sylvain Akwala, dans votre carrière. Ma carrière, si je serais plus regardant, je serais peut-être encore plus distant, je serais encore peut-être plus réservé, hein, parce que la musique, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On prie Dieu que nous ne serons pas nous-mêmes aussi dans le passé victimes de ces choses-là. Le monde est tellement méchant avec la vitesse de la technologie. On prie Dieu qu'il nous épargne de beaucoup de choses.
si vraiment le confinement pour moi c'est pas mauvais. Je sais pas si c'est Dieu qui veut nous donner ce message. Mes enfants, la saison que nous abordons, c'est la saison de confinement. Je ne sais même pas si c'est un message spirituel comme ça. Parce que plus on associe les gens, plus on vous tend des pièges, plus on vous cherche dans des bêtises pour après publier sur internet. Donc je sais pas, pour moi s'il y a quelque chose qu'il faut refaire, s'il fallait refaire, je serais plus distant. Je serais plus professionnel, s'il faut bien utiliser le mot, plus professionnel. On a besoin de moi pour presser, on cause avec mon manager. On a besoin de quelque chose, on arrange les choses avant de le faire. Peut-être, s'il y a quelque chose que je pourrais refaire, c'est ça. Nous arrivons presque à la fin de notre émission, de liste et mots. S'il y avait un mot à dire à l'endroit des téléspectateurs, à l'endroit également de tes collègues, de tes pairs, gospel, ça sera lequel? Le dernier mot, je ne dirais pas le dernier mot, mais le dernier mot pour cette émission, nous avons besoin d'être unis. L'unité, c'est un mot fort. Le Seigneur, sur son trône, il a remarqué qu'il y avait un peuple qui construisait la tour de Babel. C'est le Seigneur qui dit, manière bateau baza unis. Il n'y a rien qui puisse les empêcher d'atteindre leur objectif. C'est-à-dire, lorsque les gens sont unis, il n'y a pas plus grand miracle que l'unité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on dit les gens sont unis, c'est-à-dire que tu as tes défauts, j'ai mes défauts. Mais je ne m'arrête pas à tes défauts. Je prends tes qualités qui peuvent faire que toi et moi, on fonctionne ensemble. On est figé sur quelque chose et on fera mieux que ce que nous sommes en train de faire. La musique du Congo a besoin d'être réveillée, secouée, mais avec les gens qui comprennent les enjeux. Il y a aujourd'hui les enjeux de la technologie qui ont évolué. Il faudrait faire les mises à jour. C'est comme on disait avec mon vieux dernièrement. Il faudrait faire les mises à jour. Tu veux chanter, le message reste le même, la Bible reste la même Bible. Mais il faut actualiser la façon de faire les choses. Il faut actualiser la façon dont la technologie évolue pour atteindre un certain nombre de choses comme il faut. Parce que le but final que Dieu cherche dans tout ça, c'est que le message atteigne un peuple qui l'attend. Donc s'il faudrait que nous fassions des chansons pour que ça reste dans nos poches, pour moi je trouve que c'est la plus grande échec que nous sommes en train de faire. La plus meilleure des choses, des investissements qu'il faut faire, il faudrait voir comment il faut faire pour que notre musique atteigne toutes les couches de l'église de Jésus. Comment il faudrait faire pour que les anglophones, l'église de Jésus qui sont les anglophones par exemple, pour qu'ils chantent la chanson de délice, s'il faudrait interpréter ça en anglais, s'il faudrait jouer ça comme des musiciens chrétiens. Et il faut aussi souligner une dernière chose, dans la musique chrétienne, on a des grands frères. On a des petits frères, on a des mamans. Il ne faudrait pas que la... Voilà pourquoi je n'aime pas le rassemblement des gens, parce qu'après un moment donné, on perd même ses valeurs. Il y a des gens qu'on doit appeler Yaya, même si on n'appelle pas Yaya, mais il faut le mettre à sa place. Yaya, maman, il est en balade de musique, il y a des mamans. Il faut le respect de notre corporation. Et vous verrez que les choses vont aller comme sur les roulettes. Et on demandera à nos pasteurs, parce que la musique gospel n'est rien sans l'église. Et si l'église aujourd'hui continue à considérer les musiciens chrétiens comme des délinquants, mais qui? Si je suis délinquant, c'est le pasteur qui doit me ramener à la raison. Si je ne fais pas bien mes chansons, c'est le pasteur qui doit me montrer comment faire avec la lumière des Écritures. Mais si le pasteur prend pour option de mettre les musiciens de côté, et nous n'allons pas avancer de leur côté aussi, mais ça ne va pas aller comme on le souhaite. Donc je crois que nos pères, nous sommes vos enfants, on restera vos enfants. Prenez-nous, conseillez-nous s'il faut le faire, s'il faut chicoter, mais dans le sens où nous voulons faire les choses pour la gloire de Dieu. La sortie du prochain album, c'est déjà pour... Je ne veux pas prendre ce risque de donner une date, mais je crois très sincèrement que si rien ne change en août, je serai de l'autre côté pour faire le mastering. Si rien ne change, c'est Covid qui vient encore un peu bouleverser nos calculs, mais sinon pas c'était un programme comme ça en août, je serai de l'autre côté pour faire le mastering de l'album. Et puis après, je crois, si ça tarde, c'est la fin de cette année ou bien le début de l'année prochaine, où on pourra avoir le nouvel album. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu le frère Délice Témo, un artiste gospel. Moi, Libanga. Libanga, tes salutations. Libanga, Zokisaka. Libanga. Non, je salue ici, sur la caméra, je salue Papa Roy de Wisdom Classique. Je salue la soeur Belle Agnélé, Quadra, et au moins tout sous la mère. Je salue les soeurs de Sion. Ça, ce sont mes sisters. C'est une longue histoire avec eux. Je salue mon vieux, le DT Avegoza. Quatrième fois.
ça, ça fait 4 fois déjà que tu le Yo, je me salue comme un spécial Benenko. Je le salue et voilà. Je salue maman Clémence, maman Nadège, le pasteur Mehdi, le frère Oumar, j'ai vu son concert dernièrement, le frère Prudel, qui encore j'ai oublié, la soeur Afia, qui encore. Qui venait de perdre son enfant. Nos condoléances. Cœur avec elle. Mes condoléances, la sœur. Voilà, la sœur Afia. Dieu te soutienne. Voilà, la sœur Esther Batoma. Batoma, je salue. voilà, je salue tous les musiciens chrétiens. Eddie Moyongo, le coach Jaurès, le frère Régis, Acapella, c'est pour lui. Hein. Le frère Régis Sondi Acapella. Je salue le frère Christian Chango. Voilà, je salue tous les musiciens chrétiens. On est en bon terme. Bah, on a beau s'en à commande le frère Calvin, le frère l'apôtre Christian Mabiala, qui c'est l'apôtre Ulrich Kampa, le docteur Darman, qui les noms sont. Le DT Zola et la sœur Tola. Voilà, ils sont nombreux. On va commencer à citer comme ça. Nous saluons particulièrement pour ce jour le pasteur Gustave Ambendié. Oui. Ambendié. Voilà, qui. Vient de célébrer son anniversaire, c'est aujourd'hui. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Et voilà, donc salut tout le monde, que ce soit les pasteurs, les chants, les gens que j'ai oublié, vous comprenez, qui n'a pas besoin pour Télé Zangonga. Sinon, pas, je salue tous les musiciens chrétiens. Je comprends par là que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je salue tout le monde. Talaka, voilà. Politique. Hein? Talaka, c'est politique. Politique, non, maman Nzambe, mais tu iras en enfer. Parce que c'est des cons, sinon on a coulisse. Tu iras en enfer, papa. Les règles barrières ne font pas de vous des ennemis. Mais barrière, oui, il y aura partout. Au moins, il va passer le micro pour ça, mais pour pas respecter la règle barrière. Distanciation sociale. Et ça, la maramonion, la règle barrière. Sinon, on n'a pas de problème. D'accord, nous arrivons à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Permets-moi, s'il te plaît, pour une dernière fois, je salue Amour Bikuta, ma très chère fille. Je l'aime beaucoup. Amour Bikuta. Ah, je croyais que c'était la fiencée. Non, la fiancée, elle on encore l'a pas cachée. Saluée. On n'expose pas la femme. La femme, on cache. On voilà, on arrive à la fin de Face Cachée. On voilà. Se retrouve à la prochaine. Ciao. Face cachée, femme cachée, voilà. Ça va. Félicitez-vous. Ah. Merci beaucoup.